Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, c'est la pleine nuit, regardez. Je me suis réveillé en sursaut, il est environ 3h du matin. Lily Rose n'a pas voulu dormir dans sa chambre cette nuit. Du coup, elle est au grenier tout en haut parce qu'elle se plaignait, qu'elle n'arrêtait pas d'entendre des bruits à la fenêtre. Et là, je peux la comprendre. Ça fait 10 minutes que quelqu'un frappe à la porte, qu'on entend toquer et tout. Je sais pas qui c'est. Oh là là. Ça frappe encore. Je sais pas si vous entendez. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Les amis, je vais vérifier par moi-même. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Je l'ai vu. Ça tombe, c'est un voleur. Il faut que je réveille Peppa Pink. Peppa Pink, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe encore, Esteban? Ferme ta fenêtre. Ferme ta porte, plutôt. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Il y a quelqu'un devant la maison. Non, sérieux, allez. Ah oui, écoute, on l'entend frapper. Attends, reste là, je vais y aller, ou ouais. Suis-moi derrière. Non, va voir qui c'est, Il est tout en noir et tout. Oh là là, c'est quoi encore ce truc? Oh, non, les amis, j'espère que c'est pas quelqu'un qui vient faire des choses étranges. On va laisser Lily Rose dormir pour l'instant. Mais en plus, en ce moment, il se passe plein de trucs. Lily Rose a des problèmes au collège, c'est ce que j'avais dit. Ah, mais si... Mais c'est quelqu'un là! Des bonbons, je vous jette un sort! Non, mais il dit quoi? Des bonbons, non? Des bonbons, je vous jette un sort! Mais c'est même pas, c'est même pas le jour d'Halloween encore! Eh oh, il se passe quoi là? Laissez-moi! Il se passe quoi? Oh, mais laisse-le! Le laisse pas rentrer! Le laisse pas rentrer! Non, mais c'est pas possible! Des bonbons! De quoi? Des bonbons de quoi? Des bonbons ou un sort! Comment ça, des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort, ne me touchez pas! Des bonbons ou un sort! Des bonbons à sort. Je suis très ami avec la sorcière. Je le reconnais. Sortez de là. Je sais qui c'est. C'est un gars du collège de Lily Rose qui arrête pas d'embêter Lily Rose. C'est il fait partie de la bande du pire ennemi de Lily Rose. Fallait pas le laisser rentrer. Je veux les bonbons. Non. Laissez Lily Rose tranquille là. J'ai des pouvoirs. Reculez. Ouais, c'est quoi encore? Non, mais pourquoi vous venez ici là? Je veux des bonbons. Des bonbons de quoi? Et je ne sortirai pas de cette pièce tant que je n'aurai pas mes bonbons. Non, mais on n'est pas le soir d'Halloween, on donne pas de bonbons comme ça. Je veux des bonbons, je vous jette à tous les deux un sort. Ouais, un sort. Et je sais qui tu es. T'es Anatole du collège de Lily Rose. Hein? Oui, c'est lui. Ça fait. Mais si, je le reconnais. Je peux me déguiser en n'importe qui. C'est parce qu'il a des lunettes et un masque. Mais c'est celui qui... Tu vois, la bande... Bon, Anatole, écoute. La bande qui embête... Ok, tu crois vraiment que je suis Anatole? Ouais. Regarde, tu vas devenir fou. Foulu. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Anatole? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai oublié un mot. Je vais te donner des bonbons. Ah. Foulu maintenant. Non, ça marche pas. Tes sorts marchent pas. Je vais réveiller Lily Rose. Elle va filmer tout ça. Elle va envoyer tout ça au... elle va envoyer tout ça au directeur. Lily Rose, réveille-toi là. Lily Rose, réveille-toi. Ouais. Lily Rose. Oh, elle doit être en train de dormir. Il y a Anatole qui est rentré chez nous. Maintenant, ça, c'est Anatole. Je l'avais dit. Mais il est devenu fou. Je veux des bonbons, Mais tu fais exprès ou quoi là? Quoi? T'as mis une choucroute sur ta tête ou quoi? Non mais le sort a vraiment fonctionné ou quoi? Alors maintenant je veux des bonbons, je te fais le même. Mais on n'a même pas là. Oh, jette-moi encore. Oh, attendez, les amis, si je me rappelle d'un truc. Tu vas t'allonger dans le lit et danser. Il y a toujours des bonbons qui traînent. Ouais, voilà. Je le mène à la baguette. C'est pas ces bonbons là que je veux. Bah tu veux quoi comme bonbons? Oh, des chamallows. Des chamallows, il y en a plein. Mange des chamallows. Voilà. Non, tiens, attends. Moi je peux pas. Les amis. Ce qui m'inquiète, les amis, c'est que son sort fonctionne. Comment on va faire? Ça veut dire qu'il a vraiment des pouvoirs. Et moi je pensais que c'était vraiment Anatole du collège de Lily Rose. Mais Anatole du collège de Lily Rose, bah, il a pas de pouvoir. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre. Viens ici. De quoi viens ici? Je vais te jeter le même sort. Non mais tu vas rien jeter du tout. Non. Tu vas juste partir. Regarde Esteban, il mange un chamallow aussi lui. Tu vas pas me jeter de sort. Esteban. Non. Rabouille, partez room. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça fait crabe. Et le crabe.
Mais tu es fou, toi. Je suis un crabe. Donnez-moi mes bonbons. Salut, salut mes petits crabes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crabe. Oh là là, pour un crabe. Donne-moi les bonbons ou sinon je lui rends pas sa personnalité. Tiens, le crabe. Tu ne me touches pas. Le passé crabe. Non, bon, est-ce que les crabouilles Anulum. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça vous apprendra, je ne suis pas Anatole. Je vais partir avec ces bonbons et je reviendrai le soir d'Halloween. Les amis, je me sentais comme un crabe. J'ai jamais ressenti ça de ma vie. Je prends la boîte. Non, toute la boîte. Prenez ça. Bon. Je reviendrai le 31. Bonne soirée. Je raccompagne Esteban. Rose, dépêche-toi, viens nous aider. Il va pas partir, je suis sûr. Si, attends, je vais fermer derrière lui. Les amis, là c'est bientôt Halloween, le 31 décembre, il y a des gens qui vont frapper aux portes et tout. Ah bah franchement, n'ouvrez pas à n'importe qui. Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, en plus je suis en peignoir et tout, je fais une vidéo dans les pires conditions. Oui. Au revoir, monsieur Peppa Pig. Comment ça, au revoir, monsieur Peppa Pig? Il y a personne qui est parti là. Vous êtes où? Eh oh! Bah, c'est bon, il est parti normalement. Bah non, je l'ai pas vu partir. Il s'est volatilisé ou quoi? Comment ça? Oula, la caméra. C'est trop bizarre là. La caméra, c'est comme si quelqu'un l'avait poussée. Elle est tombée comme ça sur son trépied. C'est trop bizarre. Moi, je pense qu'il est pas vraiment parti. Je pense qu'il nous cache quelque chose. Et qu'il va revenir. C'est à mon avis. Jusqu'à Halloween, ça va être très compliqué. Là, ça se sent qu'on est dans un mois où il va se passer plein de trucs hantés dans notre maison. Ça devient vraiment catastrophique à toute heure de la journée, de la nuit. C'est compliqué. Alors, ça donne quoi? Bah, il est parti, Esteban. Bah, reviens alors. Ouais. C'est bizarre, je l'ai pas vu partir dans la rue. Ça tombe, il a utilisé un sort pour, je sais pas, disparaître. Non, je crois pas, il est parti en courant et puis voilà, sur le temps que. Il a utilisé un sort, pour se téléporter peut-être. Non, mais on est devenu fou, vraiment. Ouais, on est devenu fou. Comment? Moi, je mis. Bon, attends, il est pas dans la chambre. Non, c'est bon, il est pas là. Là, je me demande comment on va faire. Heureusement qu'Hiro s'est pas réveillé. Heureusement qu'Hiro s'est pas réveillé parce que si elle avait vu ça, elle aurait été perturbée. Il est 3 heures passées. Moi, je suis fatigué, j'en ai assez d'être embêté les amis, par les copains. Le problème est terminé. Bah, du coup, c'est pas vraiment Anatole. Attends, T'entends pas un bruit là? Si, j'ai entendu marcher. Il y a quelqu'un en bas. On entend des bruits comme un souffle en bas. Ouais, il y a quelqu'un qui respire fort en tout cas. Bon, les amis, on va régler ce problème. Ça tombe, il est encore en bas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter en disant quelle vidéo vous aimeriez bien voir, à activer la cloche. Y'a quelqu'un? Surtout, allez voir la vidéo qui apparaît juste ici. Chut. Ou allez sur la chaîne, regarder une autre vidéo. Allez, à plus. C'est bizarre.